Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est la chaise gamer pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft PES Vita. Et aujourd'hui on est ici pour un tutoriel pour faire une table d'enchant automatisée. Donc c'est-à-dire un système en fait pour que les enchantements sont de niveau 30 à niveau 1. Donc c'est pour un petit peu varier si vous voulez faire des enchants niveau 1 ou des enchants niveau 30 juste en un clic. Donc on va commencer directement. Donc pour ça il faudra des pistons collants, une table d'enchant, redstone, levier, répéteur, pierre, enfin un bloc de votre choix plutôt, et des bibliothèques. Voilà. Donc vous allez tout simplement commencer par placer votre table d'enchantement. Donc voilà. Et vous allez entourer tout simplement deux bibliothèques. Comme ceci. Faisez-le de la même manière que moi, hein, donc honnêtement. Et ah, donc on va essayer de prendre tout simplement un outil. Merde, attendez. Voilà, donc ça donne un truc comme ça. Là, on peut l'enchanter niveau 30. Et donc voilà, donc ça donne un petit peu ça. Vous pouvez le faire un petit peu plus espacé que c'est comme vous voulez, mais bon. Moi, je vais le faire comme ça. Donc pour faire le système, vous allez tout d'abord. Bon, on va faire un petit peu plus espacé. Ou non, allez, hein, c'est parfait. Vous allez tout simplement commencer par. Placer des pistons collants ici. Alors pourquoi? Tout simplement pour. Merde, attendez. Pistons collants pour pouvoir. Que. Enfin, vous allez voir, c'est assez bien. Donc, vous allez placer des pistons collants comme ceci. Donc, voilà. Donc, en dessous des bibliothèques. Important, là on n'en a pas besoin, je sais pas pourquoi on pose. Merde. Donc attendez. Voilà. Merde. Bon, je suis un petit peu des conneries, hein, donc j'espère que ça va pas non plus vous énerver. Hein. D'ailleurs, voilà. Alors, vous allez commencer par faire ceci et cela. Donc c'est un système vraiment basique, donc je tiens à préciser. Que si vous êtes fort en redstone, ce tuto vous sert strictement à rien. Donc ne venez pas me critiquer, ouais, tu fais un tutoriel que tout le monde sait, parce qu'il y en a qui peuvent pas ne pas savoir. Voilà, donc aussi j'avais envie de faire un petit tutoriel comme ça, donc voilà. Alors, voilà donc qu'est-ce que ça donne. Donc maintenant vous allez tout simplement placer un levier comme ceci. Voilà, donc vous allez en dessous. Mettre simplement une poudre de redstone. Et vous allez simplement faire de deux de chaque côté. Évidemment, c'est vraiment un exemple, hein, vous pouvez faire un peu mieux fait que moi. C'est vraiment un exemple facile, hein, c'est celui que j'utilise dans mon serveur survie. D'ailleurs, voilà. Donc là, vous allez commencer par faire un répéteur. Plutôt, vous allez mettre des répéteurs comme ceci. Voilà, comme ça. Et le tick, vous allez mettre de 1. Pourquoi ça? C'est normal. On va commencer à faire comme ça. Là, vous allez mettre un petit répéteur. Voilà. Puis là, ça va donner ça, le système. Merde, je vais pas alimenter celui-là. Voilà, donc en gros, ça donne ça. Petit fail. Attendez. Ah ouais, je vois d'où ça vient. Tac, voilà ce que ça donne. Et là, si j'appuie sur le V, voilà, ça donne ça à peu près le système. Hein. Faut pas que ça, en fait, ici, faut pas que ça se relie, sinon en fait, ça va faire une boucle infinie. Donc voilà. Donc maintenant, vous allez bah, cacher ça. Hein. Donc moi, je vais le cacher avec de la pierre. Vous faites comme vous voulez, hein. Ouais, évidemment. Tac.
Ah mais moche. Bouche. Donc ça marche aussi avec des boutons, hein. Ce sera pas constamment, faudra faire une. On va faire un système assez spécial, enfin qui est très simple, avec un bloc qui tord le redstone derrière. Je sais pas trop comment on appelle ça. Parce que je suis pas un spécialiste des noms redstone, mais ça, je me débrouille plutôt pas mal. Donc voilà, donc en gros, dès que vous appuyez sur ça, vous êtes en niveau 1. Je vais vous montrer ça, hein. Je vais prendre le truc. Voilà. De les niveaux bas, quoi. Et si vous appuyez sur le V, vous êtes en niveau 30. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Mon PC est dans la description. J'accepte uniquement les demandes d'amis. Abonnez justifié. Allez, salut tout le monde!